Et voilà, on va donc l'accueillir dans quelques instants. Le voilà, King Edward, un fils de Martaline. On en a vu des fils de Martaline, mais celui-ci est très particulier. Pourquoi ? Déjà parce qu'il a gagné groupe sur le Stiple d'Auteuil, le prix Duc d'Anjou, vous avez vu, à 4 ans, en devançant notamment Dreamwish, hein, qui avait gagné le prix Congrès, donc pas n'importe quoi. Et il était entraîné par Arnaud Chaillet, ce King Edward. Il avait débuté très précocement dans le prix d'essai des poulains, dont il avait fait l'arrivée, et a poursuivi une très belle carrière en haie comme en stiple. Et l'atout numéro un de King Edward, au-delà de ses performances, c'est cette famille exceptionnelle du comte de Montesson, cette famille des Coudray, la famille des K, celle de Katko, de Kotkijet, et ou encore de Kotkikova, qui est la sœur de sa mère, Kotkari, pardon, par Balingari. Bref, la famille des K que vous connaissez par cœur. C'est le seul gagnant de groupe de la famille des K au Hara en France. Il a eu ses premiers foals en 2022, King Edward. Il est stationné au Hara des Rouges Terres à 2000 euros. L'Assaï, un fils de Martaline, gagnant de groupe à Auteuil et descendant d'une souche qui a donné non pas un, mais deux gagnants de grand stiple de Paris, et pas à une, mais à deux, voire trois reprises. Bref, c'est une famille de champions et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas avec King Edward.